Bonjour, bienvenue à l'armurerie des Arènes Adol. Nos horaires d'ouverture sont du mardi au samedi, de 9h30 à midi et de 14h à 19h. Vous êtes dans une armurerie de 320 m² où on va proposer des armes de chasse. On fait la défense, la coutellerie, les équipements canins, chaussons, vêtements, armes, optiques. Moi-même et mes employés, on est armurier diplômé pour qu'on puisse vous proposer un travail de qualité et de confiance. On a un atelier où on peut faire vos réparations, les réglages d'optique. On a un tunnel de tir pour régler et essayer les armes sur place. Aujourd'hui aussi, on va proposer du service de customing sur armes, du filetage pour mettre des silencieux, des freins de bouche, montage d'optique un peu particulier et façonnage du bois. En ce moment, là, je me suis en train de m'amuser à monter des crosses en cross-trou de pouce sur des carabines Browning. Du coup, on offre des performances nettement supérieures qu'avec des armes traditionnelles au niveau du tir et de la précision surtout. Je m'appelle Émeric Di Filippo, je suis armurier diplômé de l'école d'armurerie de Saint-Étienne. J'ai repris l'entreprise familiale en 2009. Mon père avait racheté l'armurerie en 1999. Il y a eu 7 générations, l'armurerie a environ 200 ans. Fait partie des plus vieux commerces du Jura. On avait démarré dans 27 mètres carrés au centre-ville de Dole. Et aujourd'hui, on a développé le magasin, donc on est passé dans un plus gros établissement. J'ai mes petits employés qui s'occupent d'une partie administrative et de l'autre au niveau de l'atelier et de la vente en boutique pour le conseil des clients. On a ma femme qui nous aide aussi énormément, mon papa qui vient de temps en temps parce que c'est l'institution du magasin, le papa. J'ai découvert la chasse aux chiens d'arrêt avec mon papa, il chasse avec des setters, là aujourd'hui on chasse avec des Musterlander. Et je me suis passionné de la chasse à la bécasse et aussi beaucoup à la chasse au lièvre, la bécassine. Ma passion aujourd'hui c'est plus passer du temps en nature, en famille, avec nos animaux, que ce soit du sauvage ou nos animaux, nos chiens. Et c'est ça qui me passionne plus que tout aujourd'hui. Alors bon, voilà, je vais vous présenter un peu le genre de matériel que nous on utilise à la chasse. C'est quasiment, c'est même exactement le fusil de ma femme. J'ai un peu le même genre de fusil sur une autre marque qui s'appelle Antonio Zoli. Nous on chasse au calibre 20. J'adore ce fusil, c'est très léger, très fin. C'est une arme que je conseille énormément aussi à la clientèle. Et après, pour le gros gibier, j'ai un Express en 9.374. Je trouve que c'est un calibre qui est assez performant sur le grand cervidé. Et puis voilà. Donc là, on se situe donc dans le tunnel de l'armurerie des Arènes. C'est un tunnel de tir de 50 mètres. On peut faire du 25 mètres pour le tir à arme de poing. L'utilisation du tunnel de tir, c'est pour le réglage de vos armes. Ça nous permet d'avoir une prestation de service instantanée, ce qui favorise de partir serein à la chasse avec une arme complètement réglée pour éviter des problèmes de raté, de blessures sur le gibier. Là, on vient de tirer, donc je viens de tirer une carabine. La carabine, c'est un petit custom qu'on a fait, on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une Browning Bar MK3. Le montage réflexe avec la cross-trou de pouce nous permet un tir vraiment parfait. On a une prise en main qui est exceptionnelle avec la cross. L'avantage, c'est la prise en main et surtout son poids de l'ensemble qui est très léger et qui lui permettra d'avoir un confort pour sa journée de chasse au poste. Donc voilà. Avoir une performance sur une arme, c'est toute une synergie au monde de la chasse. J'aime vraiment l'idée de reprendre quelque chose que je verrais fonctionnel pour moi, à utiliser à la chasse en permanence et qui tombe bien, qui va bien. La réussite, c'est vraiment d'avoir un matériel adapté à sa morphologie, à son œil. Donc n'hésitez pas à régler vos carabines, à venir en armurerie, faire des essais et à être sûr de ce que vous faites avec vos armes puis qu'il n'y a pas de problème derrière. Ouais, pour moi, c'est le plus important.
N'hésitez pas à venir nombreux au magasin, que ce soit pour acheter des carabines ou des produits, mais aussi pour la recherche de conseils. On n'est pas là pour vous vendre, on est aussi là pour vous conseiller. Si vous avez des doutes sur des futurs achats ou des questions, on est là pour ça. Donc ce sera avec grand plaisir de vous accueillir à Dole, à l'Armurerie des Arènes.